Oh, l'intro de fou! Produced by Amin and Loli. Level design Dolu. Attends, je t'ai pas encore vu! Ah, pardon! Attends, je me mute! Mais c'est la meilleure intro de l'histoire de GTRP, frère! Je vais péter mon crâne! Grand Line Season 1 School RP. On dirait Fares un peu le directeur. Ah, y'a la CPE. Oh la masterclass, salam Nami, comment ça va? Oh, c'est quoi ces profs? C'est les vrais profs qu'il va y avoir, genre? T'as les gars, faut que je fasse ma voix RP. Bah allons les copains, comment ça va? Vous allez bien ou vous allez pas bien? Kefta, s'il touche les fesses, tu cries. Ouais. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça, ils ont voulu? Salut. Quoi? Ah, mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, il y a une dinguerie! Oh mon Dieu! Oh, arrêtez de sucer! Oh, 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 et c'est parti, bonne rentrée tout le monde. Allez-y, prenez les bus. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va nickel. Oui, j'ai pris le troisième bus, comme ça, s'il y a un accident, on me rend dernier. Ah, vous inquiétez pas, je suis une très bonne conductrice. Eh bien, je n'en doute pas, le moins du monde. Mais vous avez raison. Champignon. Tout va bien. Vous avez eu votre permis dans une pochette surprise ou quoi? Il m'a dit d'appuyer sur champignon aussi. Vous allez bien raconter les élèves, le numéro 1 de pays. Est-ce que t'es une grosse pute? Il faut sauter ou faut pas sauter alors? Faut pas sauter. Non. Ah bah saute pas. Ah bon? Ouais. Je vous dis un secret entre Américains. Dans le bus, ils parlaient des langues étrangères. Ils parlaient quoi? Ils disaient, oh Aziz, Aziz. Nous pourrions mettre... Aziz. Allô? Nous aussi? Il disait ça. Attends, oui, nous notre chauffeur nous faisait chanter des trucs bizarres. Ça c'était pas chauffeur, c'était Bachir. Bachir. Je crois qu'on est victime d'un grand remplacement. Faites attention à vos places dans la classe, d'accord? Bon, c'est quoi le grand remplacement, Clitus? Ça veut dire qu'ils vont nous voler toutes nos places de cours. T'aimes bien le thé à la menthe et le couscous? Mais. Alors, pas le thé à la menthe, mais le couscous. Oh, t'es raciste! Ah ouais. Ce race là. Mais vous êtes. Et toi, tu vas voir toi. Prends dans les toilettes, après on va t'attraper, toi. T'as compris? C'est la castagne. Mais attendez, les gars, vous avez mal compris ce que je voulais vous dire. J'avais dit, faut pas rester à côté des arbres. Vas-y, explique. Il y a de l'éclair, il y a de l'orage. Faut pas rester à côté des arbres, c'est vrai. Ok, ça marche. Clétus, viens voir Clétus. Clétus, il y a ton père, viens voir. Oh, les fils de pute, les bâtards. Oh, les bâtards. Et vous êtes où? Fais pas, crois pas que t'es tué. Allez, bâtard. Allez, fils. Mais comment ils ont eu cette photo? Mais comment ils. Sachez une chose. Dans cette école, vous allez apprendre à devenir des hommes et des femmes. Selon ce que vous êtes. Apprendre à travailler, vous allez apprendre à faire plein de choses qui vont vous permettre de réussir dans la vie, d'accord? Ouais. Eh, l'école, elle est trop stylée. Prenez vos médicaments là pour votre voix. Ah, je vous remercie. Ah, c'est lui, là, ça pue. Ah, désolé. C'est Clétus. Les gars, moi, je... Oui, pardon. Pardon, pardon. Monsieur Clétus. Ouais. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. C'est votre tour. Présentez-vous brièvement, et ensuite, vous allez faire un tour dans la machine. Bonjour, tout le monde. Moi, c'est Clétus Odile, le plus grand fermier de Los Santos, et je suis pas raciste. Mais c'est un tuche.
Très bien, bah. Installez-vous, monsieur. Merci, monsieur le directeur. Venez, venez, venez. C'est Jeff. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Venez, on s'en va bien. Oh, ça pue. Cette chaise. Oui. Tu crois qu'il va ressortir, il va... Vous asseyez. D'accord. Mettez les bras sur les accoudoirs, d'accord. Et la tête dans le bol. Hop. C'est bon, j'ai mis la tête. Bien, vous êtes bien assis. Oui, ça picote. On fait le deuxième test. Vous connaissez la sauce à boy? Non, et vous? Bah, moi j'adore ça, moi. Ah oui. Et hop, hop. C'est parti. Voilà. Bonjour, bienvenue dans le programme d'évaluation. Mais c'est quoi ça, un détecteur? Bonjour. Je vais vous poser des questions pour tester votre niveau. Oui. Merci de me... Attendez, je règle la machine, je règle la machine. Vous réglez le volume de la machine, monsieur. Bah oui, oui, je règle. Merci de me citer la capitale de la France. Alors, la capitale de la France, c'est Blaikouti. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Aïe, aïe. Augmentez le volume de la machine, le volume. 9,50$. Vous entendez pas la machine? Non. Ah, ils vous entendent pas la machine? C'est ma faute, j'augmente le volume. Venez, on fait genre, il est mort, on l'entend plus. Ah oui, ouais, en fait. Hop. Ça va, les gars? Il est passé où dans la machine? Il est invisible. Vous m'entendez pas, les gars? Je vais lancer la machine. On t'entend. Oh, merci. Il est là. Écoute-les pas, t'es bel et bien vivant, écoute-les pas. J'ai fait caca. Voilà, ça, à cause de vous, voilà, à cause de vous. Élève suivant, s'il vous plaît, vous pouvez sortir, monsieur Ketchup. Merci. Allez, à toi. Oh, ça fait peur. Oh, trop gentil. Eh, Gecko. Et pourquoi on t'appelle cette Gecko? Gecko, c'est mon nom de la street. Si, ouais, t'as un nom de la street. Et moi, je pourrais avoir un prénom de la street, moi aussi. Ouais, c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Clitus. Mais mes amis, on m'appelle Clitoris parce que je fais du bien. Ouais, on va peut-être éviter. Hein. Ah bon? Moi j'ai un nom. Mon nom c'est Nova, il faut m'appeler Gova, ça fait street. Gova? Ouais, la Gova, genre la voiture. Ouah, wow, c'est une voiture la Gova? Ouais. C'est street, non? Genre m'appelle Punto ou Clio. Ah ouais? Ouais, ça c'est. Et bah, au pire, on peut faire. Elle c'est une Punto et moi Clétus, clé de voiture. Hop! Ça, ouais, c'est la street. Je vais déverrouiller tout carrément. Tu veux que je te déverrouille, Gecko? Non, ça va. Ah, d'accord. Bon, à plus tard. Écoute-moi, Bobby. Ouais. J'ai compris. J'ai tout compris de tout à l'heure quand ils ont dit t'es raciste, toi qui dis non, moi qui dis. J'ai tout compris depuis le début. Mais non, en mais fait... moi, je suis pas raciste. Attends, viens. En fait, j'ai compris. Mais, toi, j'ai pas compris. Bobby, pourquoi toi et moi. Dans ta présentation, t'as précisé. T'étais pas raciste. C'est une stratégie, Bobby. Toi et moi, on est pareil. On est deux gros racistes. T'es d'accord avec moi? Il n'y a pas assez d'Américains dans cette école, Bobby. On est deux gros racistes. Mais il faut que ça reste un secret entre nous. On va établir une stratégie. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. On n'est pas racistes. Que vous pensez, tous les deux. Ah non, on n'est pas racistes. Je vais péter les pas. Arrête de dire ça. Quoi, Bobby, t'es raciste? Ah non, on n'est pas raciste. Personne a dit qu'on était raciste. Ah non, qui a dit qu'on était raciste? Tenez-vous à carreau, je dévoile tout aux autres élèves. Mais on n'est pas raciste. On s'est fait avoir, Bobby. Mais on s'est pas fait avoir, on n'est pas raciste. Eh, raciste, écoutez-moi. Ouais, toi aussi t'es raciste? Oh non. Ouais, moi ça m'arrive des fois. Ah bah t'as bien raison. Mais moi ça, faut pas le dire, elle chute, putain. Ah toi, ça se voit, t'es raciste après une bonne bière. Ouh là, moi je suis au whisky, moi je suis au pastis. Ah, pastis. C'est quoi le pastis? Bobby, je vais te donner une émission, tu dois me ramener un 102. Un quoi? Un 102. Un 102? C'est deux doses de 51. D'accord, Bobby, tu me ramènes ça, sinon je balance à tout le monde que t'es raciste. Quoi? Ouais. Attends, mais je trouve ça où? Mais je suis pas raciste. À la cantine, à la cantine. Tu te débrouilles, tu te débrouilles. Je peux l'aider ou pas? À la cantine. Ouais, c'est votre mission, vous deux. Aide-moi, s'il te plaît. Ok, à la cantine, faut qu'on trouve. Mais c'est quoi ces anarchies là? Faut qu'on trouve. On va embarquer dans toi là. Mais viens, mon ami raciste, viens. Écoutez, ça va. Mais tu m'as. Mais je suis pas. À partir de maintenant, on est. Viens, on va s'isoler tous les deux là. Ok, ok. Attends, moi aussi. Eh, mais je crois qu'on s'est mal compris, frérot. Comment ça? Tu sais quoi ton prénom? Moi, c'est Clitus Audi. Clitus. Eh, mais ouais. Clitus, je crois qu'on s'est mal compris, gros. Pourquoi tu dis ça? Mais. Eh, regarde lui là. Il met de l'huile d'olive sur ses sourcils, il m'a dit. C'est normal ça? Voilà.
Non, alors là, non. Quoi? Eh, Clito, non. Ouais. Bah, Clitus, mais mes amis m'appellent Clitoris parce que je leur fais du bien. Ok. Bah, Clitus. Clitus. Ouais. Mal compris, moi, on m'a insulté de raciste. Je suis pas raciste, frère. Oui, clin d'œil. Clin d'œil. Quoi? Non, moi, je suis pas raciste. Eh, je peux sentir tes pieds. Vas-y, et toi, tu sens le foin. Bah oui, ça sent bon. Non, vas-y, 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 arrête. Mais t'invites où, toi? Tu viens d'où? Moi, je viens de Chicago, t'as vu, et quand je vois du foin, je pisse dessus. C'est vrai, à Chicago, vous avez pas de foin? Ah non, on n'a pas de foin. Elle répond pas, la dame. Bonsoir, madame. Ça va bien? Tu peux pas nous aider à manger? Je suis là, Bobby, je suis là. Eh, viens. On fait une belle queue là, les élèves. Eh, pendant. Pas mon menu. Écoute, pendant qu'ils sont occupés à faire la queue, c'est pas grave, je te donne le mien. Tu vois, derrière moi, il y a les bouteilles. Je te couvre, tu ouvres le frigo, tu récupères les bouteilles, ok? Attends, où? Pile derrière moi, tu vois, regarde, il y a les bouteilles d'alcool. Les bidons là? Ouais. Attends, c'est rempli d'alcool ça? Ouais. Tu prends deux bouteilles de pastis 51. Je te couvre, ok? C'est vas-y. Lesquelles? C'est ce, tout en bas. Tu veux que je les prenne moi? Ouais, je vais. Vas-y, mais couvre-moi. Vas-y. Avec le petit champagne qui va. C'est de la salade? Non, c'est des épinards. Ah ouais, bouillie nourrissante. Vous avez des menus vegan ou pas? On a bouillie nourrissante. Un velouté de tomates. Je disais dans ma salopette, c'est bon. C'est la même chose. Bah c'est vrai que mon arbre généalogique, c'est un cercle. Bah, non, c'est pas, et vous? Quoi? Et il est sans fin, c'est ça? C'est un cercle. Bah c'est un cercle quoi, ça se suit quoi. C'est-à-dire que genre les parents et les enfants. Attends, j'ai pas compris. Mais du coup, on est des Odile, quoi, on garde le sang pur. Vous faites pas ça, vous? Sa mère, c'est sa sœur, en fait. Faut qu'on ait. Mais ouais, Serpentard. Ouais, c'est ça. Vous faites pas ça, vous? Ouais, mais c'est Joshua. Bah après, enfin, ok, c'est une façon de voir les choses. Bah chacun ses coutumes, hein. Ouais, voilà, comme on dit. Chacun ses coutumes. Bah du coup, tu veux que je te présente ma sœur, Bobby? Ta mère. Bah c'est la même chose. Pas vrai, c'est même pas vrai. Ils ont volé quoi, vas-y. L'Amérique, ça s'appelait Tunisie, ils ont renommé Amérique. Oh, t'as vu, il est raciste, Bobby. En 1882. Non, mais il y a une mauvaise compréhension entre vous deux, les gars. Bah non, il va m'apprendre à faire le monosourcil. Oui, c'est avec zizitone, l'huile d'olive. Bon. Quoi, c'est avec de l'huile d'olive? Oui. Mais t'avais raison. Mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? T'avais raison. Tu veux participer à sourcil? C'est la classe, le style. Non, moi j'aime bien mes sourcils en vrai. Mais ça t'aura la classe avec un seul sourcil. Ouais, mais vas-y, je pense que ça demande trop de technique et je veux quand même laisser ça à Bachir. Oui, c'est moi. C'est vrai que Bachir, il est beau gosse comme ça. Ouais. Non, je suis tombé dans les pommes, j'ai pas mangé. Wesh. Toi aussi, tu fais de l'hypoglycémie? Non. Ouais, ça haftorek. Oh. Bah merci. Pardon. Mais t'inquiète pas, Amine, il aime que les vaches. Je suis tombé, j'aime que les vaches. Non mais t'aimes les vaches genre en mode c'est ton animal préféré. Ah ouais. Mais rien d'autre. Ah si. Je crois que c'est un peu plus. Genre il fait quoi? Tu veux passer à la ferme, je te montre. Là on peut pas y aller là. Ah bah non, mais quand on est en week-end peut-être, on peut y aller. Il a manqué de respect de toi. Les gars, je vais vous laisser discuter, je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Mais non, la ferme c'est un endroit, ça veut pas dire la ferme. Courage, Amine. Mais pourquoi il est bizarre? Mais qui est bizarre? J'ai l'impression que t'es bizarre un peu. Mais non, pourquoi je suis bizarre? Mais tu fais des choses avec des vaches. Ah! Mais pourquoi? Vas-y, t'es bon. Attends. Non, mais arrête. Ouais, t'assois pas. Ah voilà, c'est bon. C'est le meuf de moi. Si, t'es sa meuf du jeudi, il a dit. Je te quitte, je suis pas ta meuf du jeudi. Mais tu peux pas le quitter, tu peux le quitter que jeudi. Bah jeudi, je te quitterai, Bafir. Jeudi, tu vas me quitter moi. Et jeudi, je vais remplacer toi. Et bah remplace-moi, t'es très bien comme ta Bafir. T'es fait un malaise. Mais t'as pas mangé? Je vais aider toi.
Mais viens, on la laisse, viens, on la laisse pour morte, on se casse, que putain. Mais elle a fait un malaise. Mais elle a fait un malaise. Elle fait un malaise. Elle a fait ça, un... madame, vous allez bien? Elle a fait un malaise TV. Vous allez bien, madame? Ah, mais tout le monde, vous allez bien? Eh, venez, on la laisse ici, on part. Ah oui, c'est bien. S'il vous plaît, on en est pour 3 minutes. Allez, venez, madame. Prenez la main, madame. Oui, aidez-moi. Allez, vous allez voir quand vous allez tomber, vous. Vous allez voir. Attends, crie pas. Elle a fait un malaise. Mais moi aussi. C'est un bonbon. Je crois qu'elle était empoisonnée. Mais moi j'ai une technique. Pour réveiller les vaches, je pète. Ça marche normalement. Attention. Normalement, ça réveille à mort, mon papa il dit. Ah, ça me dit. Ah bah ça l'a pas réveillé. Bon, elle est résistante, du coup. Attends, je réessaye. Il faudrait vérifier, j'en suis sûr que c'est pas tout ça. Ah, il y a un petit bouquet sorti. Ça me dégoûte. Il y a un petit bouquet sorti. Je vais aller nettoyer dans le buisson. Après, une poésie que j'aimerais vous réciter. Oh, je vous écoute. Vous aimez bien la poésie? Oui, j'aime beaucoup la poésie. C'est un art comme un autre. J'aimerais vous mettre dans des conditions spéciales. Venez avec moi. D'accord, je viens avec vous. Je sais pas ce que je vais dire. J'aimerais que vous regardiez l'horizon et que vous vous souveniez du parfum de votre enfance qui vous fait le plus ressentir le bonheur. Et quand vous êtes prête... Quelle douce idée. Quand vous êtes prête, ben, je vous dis ma poésie. Oh, je suis prête, je suis très émotive, mais je suis prête. Demain à l'aube, les petites vaches sortaient de la ferme, broutaient l'herbe fraîche avec le beau rosé du matin. J'aimerais te demander de me rendre plus raciste, s'il te plaît. Tu veux plus être raciste? Oui, je veux plus être raciste. Mais c'est bien. Il non, faut... déjà, je suis fier de toi, c'est bien. Hey, déjà, je suis fier de toi, c'est un premier pas. Mais pleure pas, c'est déjà un premier pas. D'accord. Parce que... tu vois, avant tu restais sur tes idées, tu disais que t'avais raison, que tout le monde était raciste. Et là, tu te rends compte que c'est une erreur. Donc déjà, c'est bien. Oui, je peux me moucher sur ton gilet. Non, attends, mouche-toi, il y a de l'eau, mouche-toi avec l'eau. Attends, je suis dans ma main. Ah ouais, fais dans ta main, c'est mieux. Mais du coup, ça va être difficile parce que tu vois, j'ai des réflexes des fois. Donc faudra que tu me surveilles, d'accord, Bobby? Ouais, je vais faire attention. Et moi, je te dois un service en échange. Si t'as un problème avec quelqu'un, je le castagne, d'accord? Parce que dans le Nord, on n'est pas raciste, on castagne aussi. Ah ouais? Ouais. Tu sais bien te battre? Ouais. Oh, t'as changé de voix? Ouais. Attends, moi aussi, je vais m'asseoir. Mais vous posez quoi? Pourquoi il y a un paquet de mouchoirs sur le... Mais n'importe quoi, ferme l'ordinateur. Quoi? Quoi? C'est quoi? C'est pas ce que tu crois. C'est qui crie oui oui oui? Eh, pourquoi tu cries oui 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 dans la chambre comme ça? Attends, je veux voir. C'est vrai que ça... Ah oui, c'est vrai que ça pouvait pas. Ah, de l'extérieur, c'était spécial, hein, je vais pas te mentir. Non, mais c'est...